Chris, enfin, man! C'est encore plus beau que Saint-Eustache, juste parce que, regarde, t'as des montagnes ici. Ah, t'as de la verdure. Pas des sacoches de loup, mais... Oh! Ça sent-tu les égouts? Ça sent bon! La pizza ou les égouts? Ça sent pas le petit goût, là. Oh, ouais. C'est cher un peu, là. Ça a été genre 5 ans, je l'aurais acheté, je pense. Je suis des frères, 25. 25 les deux? Ouais. C'est-tu des jeux cachés quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, pas grand-chose, hein. C'était de trouver des jeux, là. Il y avait un kiosque qui avait des jeux de 360, de Wii, puis de DS. Puis vraiment pas grand-chose. Il y avait beaucoup de DS, mais c'était tout, hein. Ouais. Ouais, tu sais, il y avait de la qualité, là. C'était pas juste de la merde, là. Il y avait un jeu de 64 de Gex. Gex, puis l'autre, c'était quoi, Kirby? Yoshi, Story Yoshi. Ah, c'est pas des jeux. C'était quand même des pas pires jeux, mais sinon, regarde, l'année passée, il y avait au moins 3-4 bouts de jeux. Un gros kiosque. Puis il y avait un fucking gros kiosque avec ben du stock, ben des vinyles. Justement, ouais. T'avais spoté une belle cover. Puis moi, je me souviens qu'il y avait comme beaucoup de PS1 qui étaient maganés, mais quand même, j'aurais aimé ça, rechecker ça. Fait que là, on se translate vers une autre destination. Ça ressemble à ça. Ouais, on va aller à Granby. Spot le beau petit cafouillis que j'aime bien aller, que l'année passée on est allé puis on est que le bouli a zéro filmé parce qu'il aimait pas ça. Il aimait mieux faire des petits tours dans le petit manège avec des petites flèches. Avec la Circus Charlie, c'est. Ouais, avec la toune de Circus Charlie, fait que ça a donné ça. Moi je trouve que c'est un astipo bordel cette affaire-là, puis il y a de quoi à trouver. À chaque fois que je vois, je trouve quelque chose. Moi, je sais plus s'il reste encore quelque chose, mais bon. La dernière fois, j'avais trouvé Bleed complet sur PC. Oh. Tu l'avais-tu acheté? Ben oui, je l'avais acheté. Ah ouais, okay. Bleed sur PC, nice. Le vieil émulateur commercial de PS1. Oh, ouais. Ah, mon, oui. J'avais trouvé ça complet en boîte. Hein, shit. Si tu veux, je te donne. J'ai jamais servi. Jamais. Si tu veux mettre, je suis pas sûr que ça roule encore. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu peux bien partir, maudit vidéo. Hey, c'est trop de jam, ça, tu vois. Ridicule. Tu sais, on vient de passer la rue Belmont. Ouais. Moi, je suspecte que c'est ça qui fait autant de trafic, le monde. Ils veulent vraiment aller sur la rue Belmont pour honorer la famille Belmont. Le château de Dracula, il est où? Il est dans la musique, là. Ouais. On entend la musique. Ah, on entend de la belle musique. C'est la musique de Spawn au Spinus. Pas que ça sonne Castlevania. Il est en train de l'acheter. Les gros shotguns qui se font en arrière. Moi je veux Spawn au PS1. Il y avait la collecte du sang du maire, tu sais, veut dire Castlevania, Dracula. La collecte le maire, il veut collecter notre sang. Tabarnak. Alors, le Grand Beast, je suis pas sûr qu'on va se rendre jusque là. J'ai deux douches back à back en face. C'est des douchesters de Granby. Granby Douchester. Check in. Ah, ça, c'est des deux sacoches. Festival. C'est deux bien sacoches qui sont fans de Hulk Hogan. Ah, on n'aura pas claqué. Je suis pas quelqu'un de pas fin quand je veux. On va parler de Saint-Cyr. Hein. Ah! Hey, le chant des Ghostbusters! Carrément! What the fuck? Ah! Ben! C'était vraiment la Ecto One! C'était carrément ça avec les logos. C'était Ecto One! What the fuck? Oh. Ben, Marianne, hey, j'espère que je vais pouvoir faire un freeze frame de ce que. Hey, je pense pas que je vais pas man. Oh man! Le monde va nous craindre, là. Le monde va nous craindre! C'est vrai, on n'est pas. On n'est pas gelé! On n'a pas bu! Imagine, on voit la Turtle Van. Oh! Malade. Non, c'est clair qu'on va croiser une DeLorean, c'est clair. Il y en a dans toutes les shows de chaudes. Ça, puis une vieille Batmobile, genre. Ouais. Celle d'Adam West. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Vrai, man. C'est sûr. Pas le tank. Le chaud dans Wayne's World. C'était quoi? La garde mobile, genre. Non, le nom du chaud. 30 minutes. De tout genre. Vapoteuses, des vapoteuses. Ah, tabarnak. Pas des vapoteuses. Des vapoteuses. Ça, c'est le...
Jeux vidéo ouverts, j'espère qu'il y en a des fermés aussi. Xbox One 9, 500G plus un jeu, 340$. Bon pour toi? Ah oui, c'est le centre d'achat vide. Avec, c'était quoi? C'est des gâteaux? Il a payé pour ses adverts. En fait, je pense qu'ils ont payé une fois. Puis... Ah oui, il n'y avait pas. Ah, c'est vrai? C'est vraiment comme la désolation. Même l'éclairage chez vous autres est glauque. C'est abandonné. Le carousel. As-tu changé depuis l'année passée? Non, c'est le même menu. Le même menu? Fait que les muffins sont encore bons. Hey, shotgun, un Azure Azrat. Ouais, moi aussi. Chris. Je te le laisse. Ça, on en voit deux. On le voit jamais, hein, jeu-là. Ben, je l'ai vu un l'autre fois. Pourtant, tout le monde l'a renvoyé, jeu-là. L'ont acheté, ils ont trouvé sa plate, puis l'ont tout ramené, là, me semble. Non, il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, je te dirais. Mais il y a du monde qui disent comment. Oh, c'est trop des cinématiques. Ouais, mais c'est ça, je suis surpris qu'il n'y en ait pas partout. C'était pas une suite d'un Siren PS2? Non, c'était Galerion au PS1 aussi? Tout simplement. Que tu as brûlé du ventre? Un beau jeu de PS2. Oh mon dieu! Oh! Il y a vraiment des sudoku au PS2. Fait que tu joues au sudoku avec une fille qui allait faire l'entraînement le matin. Avec une Gadai. Ouais. Capcom Evolution. À 25 ou ça. Ouais, c'est. Ça me dit rien. Ouais. Capcom Evolution, ça a l'air qu'un crossover de Capcom parmi les autres, mais ouais. C'est quoi? Il y a un dinosaure. Darksider, Alpha, Street 2. Ok, c'est une compilation okay. Alpha, Street Fighter 2, ouais. 3, 3, Starfighter, Red Earth. Red Earth qui était juste sur arcade, puis c'est vraiment. C'est bien, ça. Quoi? Oh ouais, c'était tout des Claymation. Claymation, my bad. Des artistes, puis c'est comme un jeu de lutte. Ouais. Mais c'est comme je disais, moi, ma soeur, quand ça sortait à la télé, ça, on les downloadait sur Napster, les études. C'est-tu Tommy Lee, ça, genre? Non? Des chants. Tommy Lee, Tamel Anderson. Cisco, Manson. Ok. Monsieur T. Snoop Dogg. Lui, c'est. Ah, c'est Jerry Springer, man. Totalement. C'était tellement Jerry Springer. C'est toutes les big 90s dans ce temps-là. Ah, shit. Le jeu de Redneck à Spot, hein. Hein, tu m'arrives? Yo, ils ont même pris la peine de mettre des white trash dude. Ouais. Ben, yo, il y a les yeux dans le même trou. Ouais, c'est clair, là. Une belle pochette. C'est torcheux pour une de la course de cheval, hein? Comme du... Je sais pas, c'est comme la... entre la peinture, du dessin, du manga, du... C'est comme un peu comme féerique, tu sais, ça ouais. Fait rêver quand tu vois ça, hein? En tout cas, wow. Wow, the monster. Une belle thématique, genre film des années, ouais. Genre old school, là, de bataille de monstres avec des King Kong. Ah, c'est malade, hein? Mais, non, c'est quand même, hein, sérieux. Ouais. Mais c'est vraiment early PS2, ça. Ouais, mais c'est vraiment hot. La présentation, c'était nice, je trouve, pour l'époque. Là. Et ça, je pense que je l'ai, ça. C'est un genre de jeu de danse weird. Unisson, je sais plus si je l'ai. Je sais que je l'ai déjà eu, en tout cas. Mais. Il me semble que c'était pas très bon. Mais tu sais, c'était juste parce que c'était-tu Tecmo qui avait ça? Ouais, c'est Tecmo. Est-ce que je connais mon affaire? Fait que je trouvais que ça m'intéressait pis tout. Là, à cette époque-là, les jeux de danse. Même le artwork est vraiment cool, ouais, je trouve. Ouais. C'est comme du jet set, mais encore plus cool. Ouais, mais en tout cas, il me semble que le jeu était plate par contre. Ah, t'en avais ici, tu sais. Oh, une bine de bine! Une bine de bine! Bine de bine! Spawn là-dedans. Spawn. J'ai une USB. Ah, c'est un sac à dos. Ça sent mal les tassés. C'est qu'il y a de la crap de GameCube. Ah, pas GameCube de Wii. Un complete set avec des jeux de merde. Comme ça qu'ils ont financé les Assassin's Creed. Combien? Mais ça, c'est des gros bacs de fil. Hey, check, man, ce qu'il y a dans le fond, là. Il y a plein de trésors, un peu de ça, là. Ok, ça va deep demain. Shit! Vous en avez pour le reste de l'après-midi. Ben, il y a check, il faut devant, puis chaque juste. On est les voir dans une demi-heure. C'est malade. Je demandais, mon petit frère, on était accro. Les soundtracks sont. C'est pas la toute de cailloux, ça. Ok. Vraiment. C'est un jeu de show de Ranchel Antilles. Ok.
Ah, un autoguilos. Oh, check les boîtes. Oh, ça. Oh, Game Gear, ça. Qu'est-ce que ça se passe, ça? C'est là que ça se passe. Il est tout là, ben. C'est quoi la... Le jeu de moto. J'ai oublié tout le temps le nom. Non, 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 au NES. C'est une petite moto qui prend des jumps, là. Et voilà. Je le veux. Moi, ma soeur, on... Il est caché où, le rouge? Oh, il est là. J'ai juste seal en bleu, t'sais. ESPN, notre bon vieil ami Sauterne, Sonic Spinball, quand même. C'est un Sonic 3. Pas que seal, je veux savoir. Super Montana GP, Super Off-Road. C'est un Madden. Pas ouais, Madden, un Joe Montana. 94? Seal. Seal, mon gars. Tabarnak. Un Joe Montana Seal, man. Carl, il y a un Joe Montana Seal. Parfait pour ta collection. PS1. Tu es sûr que tu peux choisir entre la musique et les sons d'effet quand même? Tu peux pas aller deux. Non. Ah mon dieu. C'est un ou l'autre. Il est défait là, mais c'est quand même, c'est un seal d'origine. Ça a un seal d'origine là. Quand même. Hein. Je sais combien qu'ils ont sinon là. Ouais. Ça sera durable pour nous. Hein? Il y a des gens. Je sais pas. Si je le trouve, je te le laisse. Ah. C'est le même. Je suis le même, moi. C'est un trop gros cœur. Arrive poignée une poignée dure. Ouais. Il s'en est deux en ligne là, par la femme infinie là. En veux-tu en bleu là? J'ai peut-être en ligne. Ouais. Combien de Sonic 2 ça prend pour être heureux? J'en ai 4. Pour vrai, j'en veux plein. Je vais faire un mur de Sonic 2. Ils vont tout former un Sonic. Tu vas faire un plancher. Ouais. Fait que si vous avez des Sonic 2 à vous débarrasser, dites-moi. Un rayon laser qui passe à travers un burger, pis tout, je sais pas c'est quoi, mais. Ah, c'est Zanny Golf, je crois. Je pense que ça s'appelle. Ouais, il me semble que c'est Golf. Ouais, c'est G-O-L. Fait que, tu sais, c'est un jeu de golf avec des hamburgers, pis. Mais il y a quand même ça. Faudrait que j'y joue un moment donné. Je l'ai déjà essayé de starter deux fois ce jeu-là. C'est quoi déjà ça? C'est comme un survival horror série B, mais c'est comme open world, t'es un détective, pis quand tu prends, tu peux prendre des chars, t'es quasiment un peu comme un genre de GTA, tu peux embarquer dans un char pis partir dans la ville, mais c'est vraiment comme le contrôle, c'est un peu de la merde, pis le contrôle des chars, la physique, là, c'était atroce, là, c'était vraiment dégueulasse. En tout cas, il y a eu comme un gros cult following, ce jeu-là. Ouais, mais c'est ça, il me semble, le nom revient souvent. Mais... Ouais, supposément que cette version-là est un peu mieux, là, vu que c'est Director Scott, là, fait que je sais pas si, jusqu'à quel point c'est mieux, mais check, on dirait même que tu peux jouer avec la move. La move, hein. Hey, ça doit être débile, même si tu peux si t'avais une move, ça serait débile. Ben, j'ai une... Oh! Fait que, ouais. Peut-être un moment donné. Et si voir le Last of Us, il y a en plus. Le monde commence à courir après ça, les 3D's at Hero. Ben, c'est crissement bon comme jeu. Je sais pas si t'as joué, là. J'ai, c'est non. C'est vraiment bon. C'est cœur, hein, sérieux. Celui chez nous, un bout, mais je l'ai pas joué. Ah non? Ça me faisait trop penser à... En Minecraft. Ah non, c'est Zelda, là. C'est okay. Carrément Zelda, old school. J'espère que c'est pas le vrai prix, parce que t'as un barman. Même la caméra, il croit pas. Non, c'est ça. Hein? Et Waterberg, elle s'en va. Ils ont été chercher, ceux qui ont fait le cover, ils ont été chercher les images sur le site d'IGN. Check ici. T'as le logo d'IGN avec le watermark de IGN. Ben voyons donc. Ça, c'est un esti de fuck-up, mon gars. Ah, c'est legit, là? Oh, oui, c'est legit, c'est fait de même, là. What? Ça avait été, ça avait été comme annoncé, là, pis t'as découvert, là. Ok, ben ok, on voit l'IGN, hein, t'as la main. Oui, en tout cas, j'espère que le gars a perdu sa job aujourd'hui. Ah, c'est vraiment amateur, sérieux. Là. Hey, c'est beau ça. Ben non, c'est ça, c'est fait pour toi ça. C'est cute. Le genre de cover, tu vois ça habituellement, tu checkes tout le temps. Ben oui. Puis quand c'est Conspiracy Entertainment aussi, c'est le temps un peu louche. Là, c'est du... Ok, ça a l'air carrément d'être du genre de puzzle, bubble. C'est un port de Neo Geo. Là. Ouais, ou tout le monde Magical Drop, là, ouais. Ces affaires-là, là, ça me fait penser à ça. Le art, il est vraiment cool. C'est des raisons, je sais pas ce qui s'est passé, mais comme des gouttelettes brunes.
C'est la bécosse. Oh! Oh. Toujours l'élément, ça se plug dans deux cartes mémoire. Ah, puis t'as créé une manette. Fait que là, tu peux pas jouer à deux. Ah, mais ça, ça va avec l'écran que Marie a veut, ça. Tu mets l'écran plus ça, puis là, t'as un PS portable. T'as même un autre, là. Fuck. Tu peux jouer à deux, mais tu peux pas jouer à deux. Pour les pièces. Non, tu peux pas jouer à deux, il n'y a pas de deux, non, deux prises. Non, c'est vraiment fait pour une personne. Ben, tu pourrais jouer à deux avec deux PS2 avec le fameux câble. Qu'est-ce que c'est? C'est genre trois jeux qui s'en servent de ce câble. Ben moi, j'aurais rêvé de jouer à Bushido Blade avec le câble. Là, ah ouais? Parce que le Versus tombe en first person, Bushido Blade. Puis là, l'autre, il y a le first person avec son PlayStation. La feature était là, mais j'ai jamais vu aucune vidéo de ça. Il y a beaucoup de missiles commandes. Je ne dirai jamais assez souvent à quel point que les covers de bêtes d'Atari sont beaux. Sky Jinx. Essaye de faire ça. Essaye de faire de la technologie. On te filme pour ta première. C'est ma première photo. Dick pic sendé par message texte. J'ai réussi à prendre une photo avec mon téléphone. À Star, Achievement Unlock. À Star, est-ce que je vais être capable de l'envoyer à Monsieur Papa Cassa? Oh. Ça, c'est la question. On vous revient après la pause. Ça, c'est comme je disais à Marilyn, c'est comme qui fait une copie de Street Fighter 2? Ok, ok, c'est des repos, c'est pour ça. Ok. Une repro, genre Mario All Star, de Donkey Kong 3, de Into the Past, Turtle and Pink. Qui fait ça? Qui fait une copie de Street Fighter 2? Ben ça monte hein, celui 2, c'est rendu presque à 18$. Ben, les autres ils ont compris, Nintendo 64, 50%. Tu peux tasser les jeux genre. Ça part pour de la mort. Du monde sensé. Du monde sensé. Ils savent c'est quoi, je vous ai comme faut. Genre tu sont pas le lancer. Je viens d'avoir loué pis d'avoir trouvé ça bien hot quand j'étais jeune. Pis c'est Sony Image Soft. Bien fait ce petit jeu là, j'aime bien. T'es rendu où? Un jeu PC. Oh! Les hits Ubisoft Silent Hunter 2. Ah, c'est un jeu de sous-marin qui ressemblait au jeu de sous-marin dans Final 7. Je sais pas, hein, peut-être. Ah non, ça va plus hot. C'est un jeu de simulation. Sinon, il y a Chess Master 9000. Ah, un gros classique. Ouais. Le meilleur jeu de l'histoire des maîtres. Ça, c'était pas mauvais, par exemple, ce jeu-là. C'est correct. C'est là. Plus joué à Bastard, là, mais dans le temps. Si, sérieux, comme 6 mois de plus de développement, je pense que ça aurait été un classique que tout le monde aurait voulu. Mais sinon. Il y a des bonnes idées, là. J'ai écouté la vidéo, là. C'est quand même pas si. L'histoire était cool, c'était vraiment le gameplay. C'est un jeu ambitieux pour la PS2. S'il restait ça sur 360 et sur PS3, ça aurait été kick-ass, man. Hey, un Mighty No. 9, ça a l'air que ça prend de la valeur. Not. Faut pas parler de ça, ça fait partie des tabous. Non, exact. Webcam for Dummies. On dirait pas qu'il y a le livre dedans, tu sais. À moins que c'est. Ça boîte est légère, tu sais. Ah, peut-être qu'il y a la personne qui a gardé le livre, puis. Hey, ça marche sur Windows 98 SE, man. Puis Windows Millennium, là, le plus meilleur, le Windows le plus aimé de l'histoire. Ouais. Je suis mal à la tête, pis je m'en fous. Tu rock sealed? Il y a Rogue Squadron sealed. Ah, il y a Reboot. Plusieurs, ah, là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ce jeu-là? Non, gros seal, quand même. C'est ça, il y a beaucoup de seal, man. Tu vois toute la main. On va vraiment ramasser tout ce qui restait chez Wilco. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a juste Star Park au 64. Tu sais, t'as starté dans le temps de 64, tu t'en parles, mais c'est fou quand tu fais ça. On n'a pas 60 comme ça. Ça va bientôt, 20 ans, cette année. Ouais. Beau DVD. Ah, c'est que c'était pénible, ça. J'ai pas vu ça. Ah, mais... c'est que c'était pénible. Juste le look d'Adonis Rodman, ça me donne pas le goût d'écouter le film. Ah, le fameux Blood Rain, une autre bonne adaptation oh, de jeu vidéo. Ils en ont fait comme 2-3. On a toujours pas écouté le film, le fun. Non, man. Non. C'est toi qui l'as, hein? Ouais, je l'ai retrouvé pas longtemps, je le trouvais plus, je suis comme fuck. Ginger, c'est louche. Donc, comme toutes les faces noires. C'est louche, hein, c'est louche. Ça a juste été appliqué. Mais après, on lève une gang de poussées en plein. Ça marche juste dans un sens. Okay. Sors tes yeux de lynx d'abord. Mais. Mes yeux d'éléphant, mais. Mais il veut pas, j'ai essayé. Bien laissé, malade. En boîte, The Playoff Edition. C'est pris là, c'est bon. J'ai quasiment joué à le prendre.
puis de le revendre à ce que j'ai vécu pour le double la semaine prochaine. Hey, je... Ça, vous allez sauf que vous allez le voir, mais après. Les vieux chez eux sont rendus des fucking vases. La filève! Pas de joke. Des fangers, c'est pas fait. L'aimes-tu, Marie? Non, mais pas bon. C'est un jeu de film. J'ai acheté pour le cover, on s'entend. Ah, mais c'est Sony et Sony Microsoft quand même. Ouais, tu sais. Non, plus. Grégory Suro, shout out à toi, man. Avec un marteau à l'oreille. Je suis un petit peu grand, je pense. Ah, il est bien trop cher. Oh! Mais vous, hein, ça serait bien, ça. C'était ça quand j'étais petit. Ouais, mais ma fille, elle l'écoute d'un fois. Ça me. Ça me vieillit pas. Mais. Tu n'avais pas pogné un loose, toi? Non, je l'avais pas acheté. Ah, tu l'avais pas acheté? Ça, on l'avait vu. Là. On l'avait vu, mais je l'avais pas acheté. Ok, c'était celle-là, c'est. Wow! Ah, puis ça marche avec la mouse en plus. Mega Enhanced Mouse. La souris pour Genesis. On la cherche. Ouais, on la veut. Mais 20 pièces pour ça, donc fuck off. Oh moi, Fabio. Oh Fabio. Le bon débat, Robocop. Captain Skyhawk. Oh, Rad Racer, nice. Oh. On a gagné par contre. Ça, je t'ai dit. Oh le cochon. J'ai dit de la famille, man. J'ai une anticipation. Ah, les gars, Dragon Warrior, c'est rare. Ça fait pas mal. L'un, là, c'est pas terminé. Je Dragon Warrior, peut-être. Moi, je dirais. On va dire 6. 6? Ça fait combien, hein? J'en ai deux. Je suis triste présentement. Ça m'en prend en plus. Ta quest doit continuer. Juste que le monde dise ah, c'est rare, mais non, ça venait de. Non, c'est pas rare. Ils n'ont pas vendu, puis qu'ils ont... ils donnaient ça avec le Nintendo Power à ma vie, tu sais. Qui veut mettre les 30 sous dans le slot? Un crédit. Combien de temps? Deux crédits. Attends, je vais y aller avec un autre crédit moi aussi. Oh, une demi-heure. Penses-tu qu'on a assez une demi-heure? Non, on va mettre un autre crédit. C'est con, ça donnait combien de la shot? Ça va être beaucoup trop de crédits. C'était 15 minutes par 25 minutes. Ah, ok, ben là, oublie ça. 45 minutes de crédit. Ok. Ah, parfait, ça. C'est une bonne game, ça. C'est ça, coûte moins cher que la crise de machine de Donjon Dragon.